Je suis orthoptiste responsable du centre Ophtamène à Allonne. Donc avant, j'étais basé au pôle Santé Sud, où je faisais essentiellement du travail aidé. Le poste avancé d'Allonne est un centre de premier recours. Ici, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de médecin sur site, vu que nous sommes proches du centre-ville. L'orthoptiste gère les dossiers, qui seront ensuite envoyés à l'ophtalmologiste pour qu'ils soient validés, que les ordonnances soient envoyées ou qu'une convocation soit effectuée s'il y a une urgence ou un problème particulier. Nous avons sur site donc une secrétaire, une infirmière qui fait du travail aidé et l'orthoptiste qui gère les consultations. Pour ma part, c'est une très belle opportunité en tant qu'orthoptiste. Vraiment, ça a changé la vision que j'avais de mon métier. Auparavant, nous faisions en cabinet d'ophtalmologie essentiellement du travail aidé. Maintenant, on se retrouve vraiment acteur dans la prise en charge du patient. On fait l'interrogatoire, on fait la prise en charge globale du dossier et on apporte une conclusion. Les médecins nous laissent assez libres sur le fait de faire des diagnostics qu'ils valideront par la suite, bien sûr, mais ils nous poussent vraiment à approfondir le côté médical de la consultation. Alors, ce que j'aime maintenant dans ce métier, c'est vraiment l'autonomie, le fait d'avoir des responsabilités et puis de pouvoir constamment me former et progresser. Nous devenons un petit peu des managers d'équipe où il faut créer une vraie cohésion dans l'équipe afin que la prise en charge des patients soit optimale. Ce n'est pas simplement de la réfraction. On n'est pas là simplement pour faire des lunettes, on est là pour faire une prise en charge globale du patient. Alors, le fait d'être salarié d'un groupe comme celui-ci apporte une certaine sérénité, car si j'étais en libéral, ça serait différent. C'est une nouvelle vision du travail de l'orthoptiste qui n'est pas encore très développée, même peut-être pas encore très développée dans les écoles. Mais nous, en tant qu'orthoptistes, nous gagnons vraiment à développer cette partie-là parce que c'est notre avenir qui est en jeu.